إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فأغن إسلام سأغن إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme une continuité à nos explications, toujours en ce qui concerne l'ibadat qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait envoyer nous sur la terre pour nous faire zispouli, et c'est sa même raison d'être de nous l'existence, comment nous fait apprendre, peut-être et capable avec ces quelques sessions qui nous font cause concernant l'ibadat, nous espérons qu'il au fin pose ou même la question, au fin arrive à la conclusion, est-ce que sa quantité là est là pour apprendre concernant l'ibadat? Est-ce que sa quantité qui chose là je ne sais pas si je connais l'ibadat, et pourtant, je ne sais pas si je peux faire l'ibadat tous les jours, je fais beaucoup l'ibadat. Peut-être que je ne suis capable de dire, mais moi, mon existence, mon vie finit dans l'ibadat. Mais, connais mon frère et ma soeur, quand nous dire faire l'ibadat, alors nous pouvons répéter, nous pouvons venir même. Ce n'est pas une question de faire ibadat. Nous devons faire ibadat avec toute cette connaissance-là. Avec ce qui est connu concernant ibadat. Qui était ibadat? Qui est ibadat sous une condition? Pilier ibadat? Condition ibadat? Qui est quelque chose qui aide-nous pour améliorer nos ibadat. Qui est ibadat qui est meilleur? Tout cela, c'est une petite chose qui nous fait apprendre. Pour aujourd'hui, Inch'Allah, nous pouvons apprendre une autre petite chose qui peut-être pour choquer ou quand on prend connaissance de cet enseignement-là. Mais seulement, comment nous finissons tout le temps dire, ne nous pas choquer, qui fait parce que nous devons reconnaître que c'est nous l'ignorance. C'est nous l'ignorance. Mais dire, bien sûr, quand nous ne finissons pas lit, et surtout, pas si nous ne finissons pas lit, nous finissons gagner une mauvaise version. Nous finissons gagner une mauvaise perception. Alors parfois, quand nous écoutons version de la vérité, ça c'est une parmi les raisons qui fait du monde résiste la vérité. Ça c'est une parmi les raisons qui fait du monde résiste la vérité. Parce que et ça qui chose là. Fin, c'est-à-dire, les fins tellement vivent dans l'ignorance et qui fausté une finie nature dans lui, quand il pétane la vérité là, alors ce l'équerre pas péro d'accepter, ce l'esprit, peut dire non, ça pas possible. Nous disons à Allah, dua, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les faits nous viennent parmi ce monde qui, en premièrement, nous gagnons l'habitude de faire sa dua avec Allah, demande sa dua beaucoup. Allahumma arina al-haqq haqqan, warzuqna ittiba'a. Oh Allah, montre-nous la vérité comme la vérité. Même après 60 ans d'existence, quand la vérité peut paraître devant moi, oh Allah, donne-moi courage pour accepter la vérité. Oh Allah, pas laisse-moi venir parmi ban. Que l'arrogance gagne le dessus, ou bien ben, les autres qui ben, les autres facteurs, l'habitude, coutume, tradition, ou bien qui dit mon pour dire tout ce temps-là, motivé comme ça, à ce terme, sensé, ou bien, mais la majorité dit mon papier accepter ça, qui fait moi, mon bizarre accepter ça,
qu'Allah protège nous de tous ces facteurs qui font du monde rejeter la vérité là. Qu'Allah fait nous vivre du monde qui, une fois qu'il nous fait entendre la vérité, nous fait convaincu que c'est la vérité qui nous fait entendre, nous fait comprendre, qu'Allah donne nous courage pour nous accepter la vérité avec nous les cœurs. Warzuqna ittiba'a, et qu'Allah donne nous courage pour qu'il nous suive la vérité là. Et le bout de Allah, wa arina al-batil batilan. Allah montre nous fausseté comme fausseté. Parce qu'ils ont dit, comment nous pouvons apprendre, nous pouvons trouver fausseté. Faudrait pas ou croire qui, comment dire, Shaitan, il tout le temps vient avec eux, avec ce qui, une fois qu'il vous guette, vous dites non, ça pas lui, ça pas, ça satanique, ça Shaitan, ça non. Shaitan, il est déguisé, il vient, mon frère et ma soeur. Shaitan, il vient avec nous dans une forme déguisée, avec du miel sur la langue, avec une parole qui, quand vous pouvez écouter, quand vous pouvez guetter, vous pouvez trouver, eh bien, c'est un muttaqi qui vient devant moi. C'est un abid qui vient devant moi, un djimoun qui fait ibadat qui vient devant moi. C'est un djimoun qui vient conseiller moi. C'est un djimoun qui vient conseiller moi. Alors, pas, faudrait pas nous croire qu'il est comme ça. Faudrait pas nous croire qu'il, quand nous trouve, il y a beaucoup ibadat dans la vie, un djimoun, pas tout le temps, qui beaucoup ibadat veut dire, ça djimoun là, il est au chemin droit. Pas croire que celui qui fait beaucoup ibadat, aujourd'hui, il y a des gens qui jugent la vérité, différence entre la vérité et la fausseté, pour les critères, celui qui a la vérité, celui qui peut faire beaucoup ibadat, celui qui peut faire joli ibadat, celui qui peut être sur ibadat ou être émerveillé. Mais pas nécessairement les comme ça. Chers frères et chers sœurs, avant qu'il me vienne là, je donne l'exemple, je cite un hadith. Des paroles ban ulama, tina des paroles qui m'ont pas tiré cité hier concernant, mais dire et enfin il a là-dedans que ça mon pétrov les bons mots cite les qui comment dire pas tout le temps mais dire quantité ibadat ou bien tout le temps ou pas on sait qui comment dire faudrait ou l'onat namaz faudrait qui comment dire dans le Coran dans l'ulama faudrait qui comment dire ou un djimon qui une assise dans masjid ou peut faire dhikrullah. Ou bien, il ne faudrait pas nous croire que, comment dire, c'est dans cette situation-là qui dit monde ibadat. C'est cette action-là qui appelle ibadat. Et il ne faudrait pas, c'est comment dire, ibadat qui bizin, ibadat qui gagne droit. Là aussi, il ne faudrait pas nous croire que c'est soit là, tolosa, zakat, lecture Coran. C'est-à-dire, ibadat de ban, qui, comment dire, parfois, nous ne connaissons même comment. Comment pour quitter un bout de sa vie, vraiment parfois c'est quand vous tendez, on dit comment dire, ibadat de ban extraterrestre. Ibadat de ban qui dépasse nature humaine. Pendant 40 jours, il fait un salat avec un seul oiseau. Pendant 40 jours, pas de manger, ou bien pas de dormir. Alors, ça, ban légalement extrême ça. Ça, ben, légalement extrême. Ibadat, c'est parfois, faudrait pas nous sous-estimer, ben, action, ben, ibadat en action. Jabir ibn Zayd, l'idir, un personnage dans les années 93 Hijri, l'idir, si m'a fait la charité, l'eau un yatim ou un miskin. Ça plus cher à moi qui m'a fait un hajj après mon hajj qui faras. Si m'a fait la charité, l'eau un yatim ou bien un miskin. Subhanallah, dans sa manzoula, extrêmement important sa ibadat là. Dans sa manzoula, comment nous te dire? Oui, nous dans une période de confinement, un dimon qui peut rester dans la case, qui peut rester dans l'ibadat, il n'y a aucun doute. Quand nous guettons la vie de Ban Salaf, dans une période pareille, dans une période quand il y a l'épidémie, quand il y a une musibat qui frappe le monde, je peux isoler.
espérant un confinement dans l'ibadat. Mais il est aussi important un ibadat qui est de grande valeur. Prends compte ban défavorisé. Prends compte ban yatim. Prends compte ban miskin. Celui qui récit alhamdoulillah dans sa période de confinement là, un parmi ban quelque chose, alhamdoulillah, chers frères et chers sœurs, qaddar Allah, Allah fin oulé, que le confinement fin extend pour encore 2 semaines, pour encore 15 jours, chers frères et chers sœurs. Alors, nous connaissons qui, pour certains démons, cette difficulté peut augmenter, cette situation difficile peut augmenter. Pas tout le monde qui, comment dire, peut content pour, rester, pour continuer à rester dans la case, pas pour l'école, pas pour le travail. Non, il y a des gens, cette situation peut être plus difficile. Il y a des gens, cette provision peut-être peut arriver à la fin. Situation difficile dans beaucoup de familles, beaucoup de la case. Il y a la pauvreté entre dès la grandissée. Alors, dans une situation pareille, je ne suis pas contentement si je suis dans la case. Je ne suis pas capable contentement si je lis le Coran dans la case. Et que je suis un voisin yatim, je suis un proche yatim, qui ne peut pas payer ce tracas. Est-ce qu'il y en a à manger? Est-ce qu'il y en a à boire? Est-ce qu'il y en a provision chez lui? Est-ce qu'il y en a nécessité de base? Alors, ici, il peut dire si je fais sadaqa, la charité, l'eau, un yatim ou un miskin, un pauvre, ça plus cher à moi qui me fait un hajj. Bien sûr, un hajj qui est obligatoire, ça vous obligez de faire. Après, un hajj qui faraz. Subhanallah, ça nous redit encore, chers frères et chers sœurs. L'important quand vous pouvez écouter ça, l'enseignement là, ça, cette chose là, en même temps, développe la compréhension de l'islam. L'islam, c'est pas sa religion qui beaucoup de monde y croit ou bien qu'ils ont dit peut mal pratiquer là. Get sa largesse d'esprit qu'un musulman bizaina. Musulman, c'est pas un démon qui n'attache sur la tête, il n'attache sur l'esprit. Qu'il n'a pas raisonné. Peu importe dans quelle circonstance, il ressent c'est la qualité du monde là. Non, ça c'est pas l'islam. L'islam, il y en a beaucoup les autres aspects qui attachent avec lui, qui forment partie dans l'ibadat, autre qui s'appelle l'ibadat, s'appelle rite, comme un salat, comme un rosa, comme un zakat, comme un masjid. Chers frères, chers sœurs, aujourd'hui, combien de monde dépense gros somme l'argent? Combien de monde dépense gros somme l'argent? Les pays dépensent gros somme l'argent. Peut-être même capable, avec ce quantité Umrah, avec ce quantité Hajj. L'autre là, il y a avec ce voyage, il peut faire les tours Maurice. Tous les jours, il peut dormir 2-3 jours dans chaque masjid. Il peut payer un ticket. Et pourtant, un dimon, un pauvre, qui peut t'aller la main, la pote par la pote, dans place qui tu payes 50 000 roupies pour faire les tours du monde, pour aller dans un pays qui déjà a une da'wa. Déjà l'islam peut être propagé. Et peut-être même nous pour dire, meilleur l'islam. L'islam authentique. On peut dépenser gros somme l'argent. Quand il y a un yatim, peut mourir sans manger. Quand il y a une miskine, qui peut bien mendier. Qui meilleur là? Sa ticket, sa passage qui ont payé, soit disant pour le faire d'awala, ou bien prend compte sa yatim là. Est-ce qu'il est dans le tribunal Allah? Est-ce qu'il peut réaliser le jugement là comme on peut être? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour de nous raison? Qui comme il y a famille musulmane? Comme il y a du monde peut souffrir ou capable de dire peine à du monde misère dans sa pays là? Est-ce qu'il est capable de dire peine à du monde misère? Comme il y a du monde aujourd'hui peut souffrir la pauvreté? Et qui ou pour prendre, mais dire. C'est à cause ça même de pédir, c'est quand sa vraie notion de ibadat la panne rentre dans l'esprit et les kéyat du monde. Voilà comment du monde pouvait errer. Voilà comment il peut trouver son voyage plus important, même qui sa yatim, qui dans quoi sur la case ou bien dans seul endroit, les poumons sans manger, ou bien plus grave. Combien musulmans
qui aujourd'hui, au lieu qu'il vienne gagner le support de son frère, musulman qui vient supporter lui, c'est un missionnaire d'une autre religion qui vient supporter lui, et il invite lui pour accepter sa religion-là. Voilà qu'il quitte l'islam, il a accepté sa religion-là. Shaitan, il profite faiblesse. Ou fin paye un ticket de 50 000 pour vous faire les tours au Maurice. Vous y soyez dit à Dimon, vous assistez dans ma djid, vous écoutez un hadith. Ici, un Dimon, il perd l'islam. Ici, un Dimon, il quitte l'islam. Il a accepté une autre religion à cause de la pauvreté dans laquelle il était. Comment vous prenez ce jugement là contre Allah subhanahu wa ta'ala? Comment vous prenez ce jugement là contre Allah subhanahu wa ta'ala? Chers frères et chers sœurs, une autre parole Yahya ibn Mu'adh, Lidia, un personnage dans les années 258 Hijri, Lidia, Ma a'arafu habbatan tazinu jibal al-dunya illa al-habba min al-sadaqa. Chers frères et chers sœurs, nous dans le mois de Ramadan, nous Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est déjà une personne très très généreuse. Même envers son ennemi, il est généreux. Même envers son ennemi, il est généreux. Aujourd'hui, il y a 10 personnes qui peuvent être au pour dire que quand on gagne une calotte, pas veut dire que vous avez donné l'autre l'argent pour gagner une deuxième calotte. Nous, Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui persécution, qui type de persécution qu'il a subi avec Quraysh Makkah? Chers frères et chers sœurs, quand l'Ifingé a eu l'occasion, quand la conquête de Makka, quand Allah permet qu'il rentre dans Makka, il rentre dans Makka victorieux, il rentre dans Makka avec une autorité, sans VSN goutte d'issant. Est-ce que ça c'est l'enseignement du Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ça veut dire, celui qui peut écouter ça, Dimon, qui l'a au mimbar, peut dire, quand tu gagnes une calotte, pas laisse, donne-toi déjà une calotte. Ça veut dire, toi, tu observes. Celui qui peut tendre, il peut comprendre. Avant qu'il te gagne déjà, toi, finis, donne deux ou bien trois. Est-ce que ça, c'est l'islam? Ça, c'est l'enseignement que nous, Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, finit enseignant? Ou bien les contraires? Nous, Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce générosité, il reste un modèle inimitable, incontestable, jusqu'à ban qui pas t'y content, t'y reconnaître. Jusqu'à ban qui pas t'y content, pas t'y amène iman dans lui, t'y reconnaître ce générosité, ce bienfaisance envers ban les autres djimoun. Même ban qui pas t'y na iman. Chers frères et chers sœurs, dans sa parole-là, il peut dire, mon pas qu'on aucun lagret qui pèse poids de ban montagne. Mon pas qu'on aucun lagret qui pèse poids de ban montagne, qui éna l'eau sa la terre là. Excepté un lagret qui finit donné en sadaqa. Excepté un lagret qui finit donné en sadaqa. Ramadan, c'est le mois de sadaqa. Ramadan, c'est le mois de la générosité. Ramadan, c'est le mois que le musulman lui donnait beaucoup, sans qu'il y comptait qui quantité lui donnait. Ramadan, c'est le mois que le musulman, il y a une largesse, l'équerre, l'esprit de partage. Chers frères et chers sœurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais tu meilleur l'exemple de ce qui nous peut tendre de paroles, sa salaf là. Nous, Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme mentionné dans le hadith, dans Ramadan, il est beaucoup plus généreux encore que ce qu'il était avant. Dans Ramadan, il est beaucoup plus généreux. Sa générosité est multipliée. Tout cela forme partie de l'ibadat. Chers musulmans, chers musulmanes, dans Ramadan, ibadat pas veut dire zis tarawi, zis galouk ve masjid pour faire tarawi. Ramadan pas veut dire zis mobiza augmente nafil, soit là dans la vie.
Ramadan, pas veut dire qu'ils disent mon lecture Coran qui vous a augmenté. Oui, tout cela les augmenté, mais aussi ça l'aspect social. Ça l'aspect social de l'islam là. Les vous avez une pli clair, pli manifeste dans le regard de ban non musulmans. Ben non musulmans bizin trouvent un changement. Ne pas dire qui zis dans Ramadan qui est comme ça. Ça a une faiblesse. Et malheureusement, qu'il y a beaucoup de musulmans dans Ramadan, il y a un bon musulman. En dehors de Ramadan, Dimoun reste pose question. Est-ce qu'il même Dimoun ça? Une fois que Ramadan est terminé, son voisin reste pose question. Est-ce qu'il ça même Dimoun là ça? C'est un erreur de la part de sa personne là. C'est un erreur de la part de sa personne. Chers frères et chers sœurs, connaît qui? Quand nous causons ibada, t'allais là nous dire, faudrait pas vous croire que Shaitan, n'est pas égal du monde zis avec péché. Shaitan pas égal du monde zis avec zina, avec la drogue. Avec la musique. Shaitan, li pe na ban agent, zis musicien, droguer, ou bien ban ki content, la sexualité illégale, pas zis sa ban la ki agent Shaitan. Et na beaucoup ban agent Shaitan, ban ki fe ibadat. Ban agent Shaitan, quand tu get zot, tu peux trouver beaucoup ibadat dans toute la vie. Drôle, non? Paraît drôle ce qui nous peut attendre là. Comment est-ce que Dimon qui fait ibadat, c'est agent Shaitan? Et je dis beaucoup de Dimon qui fait ibadat, il tombe dans sa pièce là. À cause de ça même qui, je te dis une petite chose, je peux redire lui, quand tout ça doua, de ce monde musulman là, tout ça ibadat en plus, tout ça fraternité, solidarité, dans le mois de Ramadan, qui est né de l'apport de ce monde musulman là, pas musulman de l'île Maurice seulement, non. Soit arabe, soit non arabe, soit européen, soit africain, soit asiatique, entier le monde sont musulmans. Et un élan de solidarité. Et un élan, et un goût d'en faire ibadat, et un doua, et un salat. Mais quel résultat, quelle production tout ça là? Quel fruit tout ça là? Ou pas poser une question? Ou pas poser une question? Combien Ramadan fin vini, fin aller? Qui ou trouve au moins situation ou matin sans et un tigit? Ashab al-Kahf. Tiens, un bon jeune qui rentre dans la cave. Le qui rentre dans la cave. Et qu'adar Allah, la peau de sa cave là, fin boussée par une gros rosse. Alors, comment je te pousse au-dessus depuis là-dedans? Par cette connaissance qui je tiens. Par terbiya et formation qui je tiens gagné. Quand on apprend ou une connaissance, quand on demande circonstance ou connaissance et où, qui bisin faire pour sauter là-dedans. Mais quand on ignorant ou pas connaît ou peine à l'intérêt pour apprendre, ou un dimon qui, ou un allaitant aussi ou pas envie, ou un allaitant ou pas envie, quand on peine à l'étant, là où saute la gauche, tu dis mon montrez-moi, et montrez-moi. Quand on allaitant, quand on libre, ou peine à l'envie, peine à l'intérêt. Mais Allah pineo. L'important, chers frères et chers sœurs, Allah fin permet nous à travers sa bonne période de confinement là, nous gagnons tiquit l'occasion. Et nous beaucoup de monde, alhamdoulilah, nous connaît, qui pas tu peux gagner même l'occasion, assise ça quelques minutes là, écoute sa bonne leçon là. Mais je fin trouve l'important sa bonne leçon là dans toute la vie.
Je fin trouve l'important, ça m'en rappelle là dans la vie. Allah fin montrer où l'importance, la connaissance. Comment lier d'un musulman? La connaissance d'in, li aidou pour sortir d'une difficulté dunya. Get saman zenesta in rot dans la cave. Veut dire l'entrée de la cave in bouché. Comment vous sortir à cette terre? Alors, zot connaissance qui zot yena, invoque Allah, li tout seul capable tient nous depuis là. Li tout seul capable tient nous depuis là. Saken, invoque Allah. Pas une bonne action qui lui rappelle l'infer sincèrement pour le plaisir d'Allah. Saken rappelle Allah. Pas une bonne action qui lui fait sincèrement pour le plaisir d'Allah. Alors Saken, il rappelle une bonne action. Et fin demande à Allah, doua pas sa bonne action là. Ça c'est un type de wasila qui permissible. Chaque haine qu'il demande avec Allah, Roslaine avance un ticket jusqu'à finalement. Veut dire, chacun, il ne demande support, je te finis un chemin sorti. Je te finis un chemin sorti. Veut dire, chers frères et chers sœurs, connais qui parmi une stratégie de Shaitan, une stratégie de Shaitan, c'est faire nous engager dans ce qui est moins important, en délaissant ce qui est plus important. Une stratégie satanique, ça. On peut trouver beaucoup de monde capable de faire ibadat, beaucoup ibadat, beaucoup de monde intéressé avec din, beaucoup de monde peut pratiquer din. Parfois, là, ces derniers temps, nous peut trouver une remontée islamique dans l'Europe, dans un pays asiatique. Nous peut trouver une remontée islamique. Nous peut trouver beaucoup de monde peut convertir à l'islam. Mais ça, un erreur qui est beaucoup musulman. Mais dire, lui, il est satisfait, il peut tangir par jour des milliers convertis. C'est-à-dire, comment dire, sur l'islam, il augmente la vie. Non. Ce n'est pas l'Ola qui a la poussise, moi. Dans mon époque, combien convertis tu es là? Qui m'en fait dans mon devoir envers Allah concernant l'ibadat? Get Shaitan, comment attaque nous? Shaitan, parmi sa bonne stratégie, nous redire, c'est faire nous engager dans ce qui est moins important, en délaissant ce qui est plus important. Aujourd'hui, chacun parmi nous, nous encore dans le confinement, nous encore, pégayer l'occasion, faire bonne réflexion, réfléchir, l'eau nous propre la vie, l'eau dîme qui nous peut pratiquer, l'eau qualité ibadat qui nous peut faire. Nous pouvons trouver qui parfois, nous pouvons trouver qui. Nous l'ennemi Shaitan, il n'est pas capable d'empêcher nous faire ibadat, mais il n'est pas cet homme qui l'in fait, il engage nous dans ce qui est moins important. Il fait nous quitter ce qui est plus important. Il fait nous engager dans ce qui est moins important. Voilà comment Shaitan peut faire nous faire, nous peut faire ibadat. Mais seulement un ibadat qui ne peut apporter nous grand chose. D'après Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il y a 6 étapes qu'une personne les traverse pour ça. Pour finalement, écoute ça bien. Il y a 6 étapes qu'une djimoun les passe pour ça. Pour finalement, les termine dans le coffre. Les termine dans la rébellion. Les termine par rébeller. Vinen rebelle contre Allah subhanahu wa ta'ala. Nous cite les 6 cas. Numéro 1, écoute-les bien, chers frères et chers sœurs. Afin qu'on n'a pas piégé par Shaitan. Et on peut croire qu'on peut faire ibadat Allah. Et on peut garder l'espoir. L'eau, ça, ibadat qu'on peut faire là. Et en vérité, Shaitan, il égare où? Et en vérité, à travers sa bonne ibadat, soi-disant ibadat là, Shaitan permet nous faire coffre. Premier, lui faire ce qui est moins meilleur. En délaissant ce qui est meilleur. Comment m'a-t-il dit hier, m'aurait dit encore? Un djimoun qui n'est plus trouve sur la lutte, ce combat contre shirk. Et ahlou shirk, il n'est plus trouve sa priorité. Il trouve au contraire, fiançaille avec ban qui fait shirk. Il trouve sa meilleure. Au nom, veut dire, pour apporter du bien à la communauté. Au lieu qu'il combatte shirk, au lieu qu'il combatte bid'a, il fait fiançaille avec ban, ahlou shirk et ahlou bid'a. Il fait ce qui est moins meilleur.
en délaissant ce qui est meilleur. Calquez l'eau, c'est celui qui a la connaissance qui finit fait. Mais calquez l'eau, banquez en bas là qui peut arriver. L'engage numéro 2. Shaitan fait l'engage dans ce qui est permissible. Shaitan fait l'engage dans ce qui est permissible. Ce qui gagne droit. Au détriment de ce qui en a du bien là-dedans. Shaitan fait l'engage dans ce qui gagne droit, ce qui est permissible. Quand vous rappelez à l'autre, quand vous dites, mais pas gagne droit ça? Pas gagne droit ça? Gagne droit. Shaitan il engage dans ce qui est permissible au détriment. Mais seulement une féliquite, ce qui en a plus du bien là-dedans. Il engage dans ce qui est permissible, mais il quitte ce qui en a plus du bien là-dedans. Qui en a plus du bien? Coopérer avec ton frère, qui l'a tawhid, qui l'a sunna, qui t'en a pas capable de prouver qu'il y a shirk dans cette ibadah, qui t'en a pas capable de prouver qu'il y a bid'ah. C'est simplement il y a quelques désaccords. Ça, il y a du bien là-dedans pour toi. Tu délaisses ça. Pour te trouver qu'il non, tu es bizarre. Rallie-toi avec ben qui peut propager shirk et bid'ah. Troisième, les tombes dans ban petit péché. Et normal, quand on fait fiançailles, avec ban qui n'a chip dans eux, avec ban qui n'a bida dans eux, mais parfois, qui vous pouvez faire? Quand vous pas mis ban là, ou peut bizarre, on dirait comment dire, ou peut bizarre, mais on se gâte l'ensemble. Ou peut bizarre, mais on se gâte l'ensemble. Quand on n'a pas ce plateau là, pour montrer où l'unité, pour montrer où solidarité, vous avez pris un bout de gâteau dans le plateau là. Alors, on commence à faire un petit péché. On commence à faire un petit moucha à la fête d'en haut. Quatrième, les tombes dans un grand péché. Ils commençaient par un petit, après qu'il arrivait. Après, ils viennent. Ils commencent à prouver grand péché là aussi. Ils commencent à prouver là. Ils commencent à justifier un grand péché. Ils commencent à justifier un grand bida aussi là. Et cinquième, les tombes dans bida. Ils commencent à faire bida. Voilà où ils commencent à faire Fatiha dans Mayat. Voilà où ils commencent à faire Surah Mulk dans Mayat. Sixième, les tombes dans Kufr et Shirk. Ils commencent à prononcer une parole Kufr. Ils commencent à prononcer une parole Shirk. Parce qu'il y a tellement une reste parmi ce bon fiancé. Mais ils finissent habitués avec ça. Papé, ne plus trouve gravité bid'a, ne plus trouve gravité, gravité shirk. Ne plus trouve gravité bid'a, ne plus trouve gravité shirk. Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, concernant sa première étape là, il fait aller en gaz, lui dans ce qui est moins meilleur, en délaissant ce qui est meilleur qu'il lit. Il fait aller en gaz, lui dans ce qui est moins meilleur, en délaissant ce qui est meilleur qu'il lit. Chers frères et chers sœurs, ne vous en prenez précaution. Nous avons beaucoup de droits avec Allah dans le mois de Ramadan. Nous prenons beaucoup de précautions. Ouvrez-nous les yeux, étudiez bien. Connais qui l'islam te peut choisir. Qui c'est là qui vraiment permet toi vers la vérité. Qui l'islam de la vérité. Afin qui nous n'a pas à être piégés. Nous n'a pas à être piégés ensemble avec Saban Ajan Shaitan là. Nous n'avons pas à être piégés ensemble avec sa bonne victime. Si nous sommes capables d'appeler cette bonne victime, Shaitan, attention qui ça, nous dirige nous vers ce qui est plus grave. Et nous pouvons croire, nous pouvons faire ibadat Allah. Et nous pouvons déclarer nous mujahid. Nous pouvons déclarer nous pouvons amener un combat. Nous pouvons penser, Shaitan peut faire nous croire qui c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui peut suivre l'islam de la vérité. C'est nous-mêmes qui peut pratiquer, qui peut faire meilleur ibadat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde-nous la connaissance. Il augmente nos connaissances. Il accorde-nous la compréhension. Il guide-nous vers le droit chemin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège-nous tout contre l'égarement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les retourne-nous le chemin droit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège-nous contre la manigance shaitan. Contre le pied de Shaitan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait du mois de Ramadan, le mois du Coran, vienne le mois de guidance pour nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-nous pour nos bons péchés. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khayra. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.